frustrated, especially after a long time of absence in anything that is like the Senate. I'm feeling the weight of what is going to be done, especially that I've been once in government and I know a few things that that we have to do. The Senate was put in place in order to make decentralization effective. And then when we talk of making decentralization effective, we are talking about effective development. Getting everything from the center down to the ground to the people. And this entails a lot of work. This entails funds. This entails training. And we know therefore that we have a lot of work which we have to do. Being beginners in this Senate, we are going to learn along as we go, and then using our little experiences of the past and little relationships with the central administration, we hope that the Lord will lead us to deliver the goods. Okay, thank you very much. Bye-bye. Very, very motivating event, as I'm able to see
other senators all over the region. So I'm really excited. Sure, au niveau local, dans le département et dans la région, mais je pense que cette nouvelle législature est une législature particulière parce que nous voulons faire mieux que ce que nous avons fait par le passé. Donc nous allons essayer d'implémenter la décentralisation, veiller à être beaucoup plus près au niveau de nos collectivités territoriales décentralisées pour améliorer les conditions de la décentralisation dans notre pays. C'est pour ça. Je vous remercie. Deux listes et finalement le chef de l'État a tranché, il a partagé les deux listes. Je crois qu'il a été animé par l'esprit d'équité et de justice et donc j'ai été investir pour la région de l'Ouest et je suis très heureuse et je salue une fois de plus et je remercie le président national de notre grand parti de m'avoir fait. I don't really know. You know, most of our work is determined by the executive. We control government action. We pass bills. It's true that we represent the decentralized local collectivities, but we have still to put meat into that representation. So for now, I think we're looking forward on how to really represent the interest of the decentralized local collectivities, you know, and especially in the light of what our colleagues in the center they did, trying to see how they could help the councils of the center resolve their problems of insurance contribution with the national insurance fund, taxation, etc., etc. So that will be the load that I think we'll have. How to assist the local council actually bring food to the table to the different population. La responsabilité, je n'ose pas, n'est-ce pas, prononcer sur ça. Surtout que le travail du sénateur beaucoup déterminé par pendant la session ceux qui viennent de l'exécutif. Nous sommes là pour contrôler les actions du gouvernement, voter les lois, mais surtout les sénateurs ou le Sénat représentent les collectivités locales décentralisées. Et je pense que pendant ce mandat, nous allons voir comment aider ces collectivités résoudre les problèmes qu'ils ont, surtout les problèmes de cotisation avec la CNPS, les impôts, parce que vous savez que les recettes, les recettes des communes sont contrôlées beaucoup plus par l'État. On va voir effectivement comment la décentralisation pouvait prendre racine pour permettre aux communes d'être véritablement un moteur de développement dans les localités. Thank you.
de la session ordinaire de plein droit, qui reste en fonction jusqu'à l'élection de lecture du communiqué de presse. Je donne à présent lecture du communiqué de presse annonçant la date et l'heure de l'ouverture de la session ordinaire de la loi du Sénat. Communiqué de presse. Le secrétaire général du Sénat porte à la connaissance des honorables sénateurs, titulaire de la troisième législature du Sénat. 2023-2024, que la session ordinaire de plein droit s'ouvre le mardi 11 avril 2023 à 16h au palais de Congrès de Yaoundé. Pour le secrétaire général, Bernard. Lecture de la liste des sénateurs. Chers collègues, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi portant le règlement intérieur du Sénat, je vous donne d'abord lecture d'un extrait du procès verbal des opérations électorales et la proclamation des résultats de l'élection au sénateur, 78 sénateurs. Cet acte a été transmis par le président du Conseil constitutionnel au Sénat. Direct numéro 132 du 23 mars 2020. Je vous donnerai ensuite lecture du décret du président de la République et du portant nomination de 30 sénateurs, décret transmis au Sénat par le ministre d'État, secrétaire général du président de la République, la lettre numéro 180. Extrait du procès verbal du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, après avoir arrêté et proclamé les résultats de l'élection des sénateurs, déclare élu les listes des candidats ci-après. Région de la Gabarie, RDPC, Oumaru Issa, Madame Kankaba Fouadatou Diallo, Madame Bougayatou Asta Bleu, Abba Aouna. Maroua Yandou, Mouhamadou Mazadou, Madame Bassirou, Ludianatou, Saïd, Région du Centre, RDPC, Corolorant, Père de l'Élite, Monsieur Maman Jean, Madame Kala Lali, Nicole Arrête, pour le nom, Madame Koubouma Diane, Monsieur Kabifier Emma, Monsieur Goyomo Assa, Région de l'Est, RDPC, Monsieur Amama Amama Jean.
Michel. Now, Madame Asso, Monsieur Danga Kuminga, Monsieur Kotoku Michel, Madame Mireille Adare Gassaville, Monsieur Kouman Michel, Région de l'Extrême Nord, RDPC, Mahamat Aboubakaré, Mahamat Aboul Karim, Monsieur Abdoulaye Bouyaka, Madame Salé Nibufu Dakiatou Diabou, Monsieur Ayoub Salachi Amadou, Madame Diaka Mouban Koufou Elias, Madame Bingera Mouadéli Dorothée Angélique, Monsieur Nika Mali Nathalie, Région littorale, RDPC, Madame Gilbert Marie Armand, Monsieur Gilet Janda, Madame Yina Yvette Joseph Jacqueline, Madame Kekanga Celestin, Monsieur Kekanga Celestin, Monsieur Mangaza, Monsieur Dieudonné Nicaro, Madame Soko Soko Ngando, Monsieur Mali, Région du Nord, RDPC, Monsieur Garba Soyou, Madame Yvonne Assad, Madame Didiatou Oumar, Monsieur Fouroumou Emmanuel, Madame Moussa Martine Salamat, Sali Mohamed, Maro Rega, Région du Nord-Ouest, RDPC, Elo Eman, Guerriere Dara, Naperson Emmanuel Manta, Madame Neva Ndossili, Bridget Ndoli, Monsieur Obengi Sekiti Obengi, Monsieur Engu Francis Edmond, Madame Foy Tama Yinda Aluna, Monsieur Buffon Carl Moses Fontaine, Région de l'Ouest, RDPC, Monsieur Doukendi Sylvestre, Monsieur Oubeke Nana, Madame Sam Moutou Michina, Monsieur Okam Mas, Monsieur Kwech Kwech Boukou Boudri, Madame Namou Kandak, Madame Oueli François, Région du Sud, RDPC,
Président de mon nom, président de mon nom, Monsieur Mida, Baïlevin, Yipé, Daniel, Raymond, Monsieur Obamassam, Samuel, Madame Douba, Ndo, Kéré, Madame Mouba, Balak, Ndek, Madame Afan, Jam, Monsieur Lamba, Grégoire. Région du Sud-Ouest, Hermes, Monsieur Kabir Kando, Yep Iso, Monsieur Ote Nkrou Mofa, Monsieur Bela Moki Cha, Monsieur Ndok Toubé, Madame. Madame Ndok Toubé, Agnès, Madame Mosongo, Ernestine, Afon, Jean. Monsieur Le Fouzé, Andreas, Monsieur Lionel, Papinat, Condes, le présent au Saint-Delbat, qui est dressé en quatre exemplaires, signé par le président, le secrétaire général et le greffier en chef. L'original sera conservé au Conseil constitutionnel et les autres documents transmis respectivement au Sénat, au ministère de la décentralisation et du développement local et à EREPA. On signe le président, Monsieur Clément, le secrétaire général, Malengo Joseph Assé, le greffier en chef, Amadou. Décret du président de la République. Le président de la République décrète, à titre premier, les personnalités ci-après désignées sont nommées sénateurs pour un mandat de 5 ans. Éventuellement, région de la Damanque. Monsieur Mohamed Gardo Yali, Monsieur Moussa Sabre, Monsieur Marou Magato, Région du Centre, Monsieur Oumouni Yama, Monsieur Guillaume Frère, Madame Sournac. Région de l'Est, Monsieur Lengele René, Monsieur Diwala Mani Idarion, Madame Kabi Marie. Région de l'Extrême Nord, Mahamat Bahar, Monsieur Maloum Bra. Monsieur Gorway, voilà. Région du littoral. Monsieur Mouen Dibouillet, Monsieur Etamé, Massona, Boris Frédéric. Monsieur Gaïa Pierre Ramon. Région du Nord, Monsieur Abdoukari Astoula. Madame Ayakou Aïcha Tirek, Monsieur Tizi Kouba Malaye Touli, Région du Nord-Ouest, Fon Chiapa Isaïe, Madame Regina
Lundi et l'État. Monsieur Galigance, mon chef. Région de l'Ouest, Monsieur Niak Dufendi, ma sœur. Monsieur Kakoué Emmanuel, Monsieur Bogotoya Séni. Région du Sud, Monsieur Galimboa, Pierre-Henri, Meunier, Monsieur Meunier, Pono, François Xavier, Madame Sept-Fleur. Région du Sud-Ouest, Monsieur Adam Saïmon, Ojo. Monsieur Lécocon Pec, Monsieur Gueté de Sonko à Tempo. Article, le mandat des sénateurs visé à l'article 1er ci-dessus commence le jour de l'ouverture de la première session ordinaire de plein droit du Sénat. Et s'exerce dans les conditions prescrites par la loi numéro 2012-00-19 avril 2012, portant code électoral, tel que modifié et complété par la loi numéro 21 décembre 2012. Article, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence et inséré au journal de l'Union en français et en anglais. Et à vous dire le 31 mars 2020, le président de la République, M. Paul. Conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, j'ai pu constater le nombre de sénateurs présents pour m'assurer qu'ils respectent les règles de quorum. Le quorum requis par les dispositions de l'article 56 de la loi portant le règlement intérieur